tout le monde, c'est une double vidéo que je vais faire parce que c'est du très lourd. Oui, c'est du très lourd. Hein. C'est affrontement extraterrestre, les mutations de bétail. D'ailleurs, on en parle dans le livre Au venir de surdanger. Ça pourrait même être un complément avec celui-là. Mutation animale aussi, là, de Daniel Robin, c'est du très lourd. Alors, il y a toujours des gens sur internet, ils se font très bien leur boulot, j'ai pas de problème avec ça, hein. C'est très bien documenté, tout ça, mais ils sont toujours en train de dire c'est des chirurgiens fous. Malade, ils en parlent aussi que c'est des chirurgiens fous, mais c'est pas du tout ça. Que c'est des trucs secrets, je sais pas quoi, satanique, secte, bon bref, avec des capes blanches, noires, non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Je préfère le dire et le redire, parce que beaucoup oublient de citer le Chupacabra, qui est cité dans ce livre-là. Le suceur de chèvres, suceur de champs, de. Ouais, suceur de chèvres, suceur de d'animaux, quoi, je veux dire. Voilà, et beaucoup oublient de citer le Chupacabra, qui est un hybride. C'est un petit gris à la base, je pense, comme a dit Elena Danan, dans son livre Le Don des Étoiles. Et je pense aussi, mais je crois qu'on n'est pas les seuls à dire ça, de toute façon. Elle, c'est sûr, elle a plus d'informations sur ça. C'est un hybride, c'est un petit gris qui a été modifié génétiquement par des reptiliens, qu'on appelle le suceur de chèvre, enfin une mutation de bétail, tout ça. Et c'est en plus cet animal-là, on le retrouve, enfin cet animal extraterrestre, on le retrouve plusieurs fois dans ce passage-là, mutation de bétail. Donc c'est pas un hasard, hein, entre 80 cm et 1 mètre. Hein, velu, tout ça, plein de poils, enfin un truc vraiment dégueulasse, quoi. Un gris hybridé, quoi, on va dire, modifié génétiquement. Donc des histoires, des gens, des coups de couteau, tout ça, bon bref, ça tient pas la route, hein. Ça n'a strictement rien à voir avec du sang séché, cautérisé que je retrouve dans ce livre-là. Strictement rien à voir. Même le meilleur chirurgien au monde, avec les meilleurs instruments qu'il a, le meilleur spécialiste, il pourra jamais refaire ça. Donc c'est pas possible, ça tient pas la route. Et en plus, il y a aussi des apparitions d'ovnis géants, hein, des triangles géants qui font 200 mètres de long. Hein, c'est des policiers dans cette histoire-là, à un moment, hein, mutilation de bétail. Sous son banc au Brésil, Argentine, Amérique, hein, du Sud. Hein. Même en France, hein, justement, je vous lis un petit passage à la fin de la France. C'est quand même hallucinant, bon, bref. À un moment, c'était une histoire, il y avait un ovni triangle incroyable de 200 mètres de long. Hein, c'est pas des drones, hein, ça n'a strictement rien à voir. 200 mètres. Une sorte de ville qui monte comme ça majestueusement, comme il dit dans le livre. J'étais très impressionné, les deux policiers, mais en même temps très effrayé. Ça dure 2-3 secondes. Pour eux, ça a l'impression que c'était une éternité. Avec plein d'hublots. Et comme par hasard, juste après, une mutilation de bétail. Donc, on est très loin de tous les gens qui pensent à la légère, hein, avec leur truc satanique, ça. On est très loin de ça. Donc, je préfère le dire, parce que, bon, de toute façon, c'est normal. Je suis passionné d'ufologie, donc je préfère défendre un peu. Hein, c'est un peu logique. Donc, on est assez loin de ça, voire très loin. C'est strictement rien à voir. On parle d'êtres interdimensionnels qui ne sont pas de ce monde. Hein. Bon, avec des carcasses broyées, écrasées parce qu'elles ont été lancées des ovnis. Et beaucoup d'apparitions d'ovnis sont vues par des gens avant les mutations de bétail, avec des créatures, chupacabras, etc. De toute façon, j'en mettrai des photos à la fin, hein, de chupacabras, et j'en ferai certainement une deuxième vidéo, parce que mutation de bétail, c'est énorme. Et pourtant, c'est pas un sujet qui est vraiment. Malheureusement évoqué, on va dire, parce que c'est du très lourd. Hein. Justement, je vais vous lire la fin de l'horrible vague de mutation équine qui s'est déroulée en France. Vous vous rappelez avec les chevaux, tout ça, c'est peut-être autre chose, je sais plus. Bon, bref, et dans d'autres pays à partir de la fin de l'été 2020, on nous a dit qu'elle était en partie l'œuvre de déséquilibrés. Il y a suffisamment de déséquilibre en liberté pour que l'hypothèse soit plausible. De toute façon, moi et Andreas, on est d'accord que tout ça, c'est du pipeau. Ça ne tient pas la route. On sait qu'il y a des déséquilibrés, mais pas à ce point-là. Qui vont enlever des yeux, des rectums, des organes sexuels, génitaux, la langue, avec une précision chirurgicale jamais vue. Hein, c'est pas possible. Bon, bref. Mais est-ce là l'explication unique globale et à l'ensemble des cas? La zone affectée est si vaste, plus de la moitié des départements français. Je suis sûr qu'encore actuel, on continue, hein, mais c'est bouche bée, hein, vous savez, la télé française, bon bref, les médias, qu'on peut en douter. Des éleveurs surveillants de nuit, côté, surveillants de nuit, leurs bêtes ont observé des objets volants blancs émettant des faisceaux lumineux rouges. Des éleveurs surveillants de nuit, leurs bêtes ont observé des objets volants blancs émettant des faisceaux lumineux rouges. On nous a dit qu'il s'agissait de drones.
Oui, bah ça c'est pour, voilà, pour faire taire, voilà. Mais déjà fin 2014 et début 2015, quand des objets survolaient presque chaque nuit la quasi-totalité des centrales nucléaires françaises, j'avais déjà fait des vidéos sur ça aussi, hein, les médias avaient utilisé le mot drone, les médias, hein, comme ça au moins c'est plus facile, pour désigner ces choses. Où sont les preuves? Tant qu'aucun de ces engins n'aura pu être examiné, ce qui implique probablement de l'abattre, et il n'y aura aucun inconvénient à les qualifier d'objets volants identifiés, refuser d'appeler les choses par leur nom, voilà. Refuser d'appeler les choses par leur nom n'a jamais résolu le moindre problème ni procuré de sécurité durable. Et comme je vous dis avant, quand tu as des objets qui font 200 mètres de long, ça n'a strictement rien à voir avec un drone. Et juste après, une mutation de bétail. Il y a même aussi une autre histoire dedans qui est très intéressante, avec un fermier, je crois. Il y a tellement de trucs, l'ufologie, c'est tellement énorme, vous savez, la palette. Où il y avait eu un engin circulaire de 50 mètres de diamètre quand même. Et juste après, mutation de bétail. Ah ouais, c'est des sacrés drones. 50 mètres. Alors 200 mètres, c'est même pas à peine d'y penser. Il y a même aussi un ovni qui faisait toutes des couleurs. Orange, orange, rouge, vert, jaune. Je sais plus, plein de couleurs, bleu, enfin bref. Il émettait plein de couleurs, des trucs incroyables. Et juste après, une mutation de bétail. Avec la créature du Chupacabra, comme par hasard. Donc faut pas prendre ça à la légère. Hein. Je préfère le dire parce que là, c'est du très lourd. Hein. Là, je rigole pas avec ça parce que quand tu as des veaux, des coqs, mais des coqs, des lapins, tout y passe de toute façon. Hein, donc, mutilés, des trucs horribles. Non. On est loin des trucs, je veux dire, une organisation secrète, je sais pas quoi, projet Bluebeam. Non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Je préfère le dire parce que bon, c'est un peu normal, je défends. Alors, autant commencer tout de suite, ça sera en double vidéo. Alors je sais, ça fait plus de 7 minutes que je parle, mais c'est pas grave. Au moins, je préfère rentrer directement dans l'art. Hein. Voilà, en plus dans le l'art, sans faire exprès. Parle d'animaux. Donc, Affrontement extraterrestre, c'est un très grand livre, très très grand livre. Pour moi, je le classe dans les 5 meilleurs livres, avec OVNI, attention, danger, avec Programmes spatiaux secrets et Alliance extraterrestre, tome, les 4 tomes. D'ailleurs, j'en reviendrai sur le quatrième tome, mais en tant que je l'ai pas fait, sur le programme chinois. Il est très très lourd aussi. Avec Radu Sinamar aussi, hein, fait de recherche, l'Égypte, tout ça, Buseggi, les livres d'Andreas, Le Don des Étoiles de Hélène Danan, Horos, Roswell Russe, Oani en Russie, ce livre-là. Donc pour moi, ça fait partie des 5, mes premiers top 5 des meilleurs livres, il faut. Enfin, pour moi, pratiquement. Alors, ovnis, prédateurs, principales victimes, les animaux. À la fin, je vais vous mettre surtout les chupacabras. Ouais, je vais faire ça. Et la prochaine fois, je ferai certainement une deuxième partie. Hein, parce que ça sera le petit 1, petit 2, parce que c'est énorme. C'est énorme. C'est pas oublier que c'est quand même marqué les dossiers non classés. Hein. D'accord? J'avais jamais vu tout ça. Qu'il y avait autant de trucs comme ça, c'est horrible. Horrible. Alors, ovnis prédateurs, principales victimes, les animaux. Dans les cas d'affrontement que nous venons d'évoquer, des témoins ont toujours eu un contact direct, au moins visuel, avec ce qui met se manifester. Qu'ils aient été armés ou non, ils ont chaque fois disposé d'un minimum de liberté de choix et d'action. Et il existe un autre genre de confrontation avec les ovnis qui est indirect et n'offre aucune possibilité de réaction immédiate. Le témoin n'arrive que quand le drame est consommé. Lui-même ne court aucun risque. Puisque tout est terminé, ce sont les animaux qui ont payé le prix du contact. Pauvre bête. Autre différence notable entre ces deux catégories d'incidents, on connaît beaucoup plus de cas de mutilation de bétail que d'accrochage direct témoin. OVNI. À partir de décembre 1979, Jean Sieder, que j'adore aussi, hein, j'avais oublié, c'est vrai, aussi, top 5, fit découvrir au lecteur de Lumière dans la nuit un mystère manifestement lié à certaines apparitions d'OVNI, celui des mutilations de bétail. Voilà. Lié avec certaines apparitions d'OVNI. On est loin des gens habillés en cape blanche et noire pour faire des sacrifices rituels. Hein, lolo. Bon, quand même. Hein, ou alors ils descendent de là, je sais pas. C'est magnifique. Celui des mutations de bétail qui se multiplient depuis quelques années, principalement aux États-Unis, USA. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que moi, les mutations de bétail, c'est quelque chose que je tiens très au sérieux. C'est du très lourd. On parle d'animaux morts, quand même. Hein. Complètement mutilés, hein, séchés, cautérisés. Hein. Hein. Le sang est complètement. Comme dans le film Predator, dans le 1, je ne sais pas si vous, aimez, vous en repensez dans Premier Predator, l'excellent Premier Predator de John McTiernan. Ou le mec là, le grand costaud là. D'ailleurs, c'est un mec maintenant, il s'intéresse à l'ufologie, c'est un catcheur. Il a reçu le coup de laser du canon du prédateur là, et là tout il s'éjecte à l'avant. Vous savez, il y avait une sulfateuse là, un truc qui tourne. Bon, c'est séché, cautérisé, c'est pareil. Vous imaginez un petit peu, mais là on n'est pas dans un film.
Bon. Au fil des ans, les contacts épistolaires qu'il avait noués avec des correspondants américains lui permirent d'approfondir sans cesse cette question et de mettre en évidence l'omerta, l'enfumage qui très probablement visait avant tout à contenir le risque de panique dans la population. Pour dire que c'est des drones, que c'est des chirurgiens fous, ou alors comme ça on est déséquilibré, comme ça on est tranquille, hein, bouche cousue, bon bref. Toujours au début des années 80, Linda Moulton Hoy publia sous le titre « Un Strange Harvest », une étrange récolte, les résultats de l'enquête qu'elle avait effectuée notamment au Colorado auprès des éleveurs qui avaient vu leurs troupeaux frappés par d'incompréhensibles et insaisissables prédateurs. Prédateurs. Oui, c'est toujours un infime variant de près, le même scénario qui se répète généralement en des lieux où on pratique l'élevage, où le passage d'OVNI a été signalé récemment. On découvre les cadavres d'un ou plusieurs animaux qui la veille étaient en pleine santé. L'herbe alentour n'avait pas été foulée. On ne constate ni traces de pas ni empreintes de pneus. Il n'y avait jamais de sang autour des carcasses qui présentent pourtant des signes très visibles de mutilation. Les parties du corps qui ont été enlevées sont le plus souvent les yeux, la langue, les organes sexuels, la région anale, les mamelles, parfois le museau ou une oreille. Ok? Bon, c'est pas militaire tous ces trucs-là. Faut peut-être se réveiller un petit peu plus. Le plus étrange est que les incisions sont d'une netteté parfaite qui trahit l'usage des techniques chirurgicales et même l'emploi du laser. Les plaies apparaissent cautérisées, alors séchées et cautérisées. Complètement. Ce qui est impossible de refaire. Plus incompréhensible encore, les cadavres ont été intégralement vidés de leur sang. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ils sont même vidés de leur sang, des fois par l'anus. C'est ce que je disais. À un moment, je crois que c'était avec les coqs dedans, où ils étaient vidés par l'arrière, les poulets. Complètement. Même les petites bêtes, malheureusement, elles y passent aussi. Et même les animaux, les renards, tout ça, j'ai lu dedans, c'est très intéressant. Ils n'osent même pas s'approcher parce qu'ils sentent quelque chose qui n'est pas normal. Même les corbeaux, hein, les renards, etc. Vous imaginez? Ça va jusque-là. Donc dire que c'est des gens qui font ça. Ça me paraît idiot, je préfère le dire, idiot. Bon. Si les carcasses tardent à être évacuées, on constate que les animaux nécrophages, qui dans le cas d'une mort naturelle ne tardent pas à se repaître des cadavres, n'interviennent pas. Voilà. Les animaux nécrophages, qui dans le cas d'une mort naturelle ne tardent pas à se repaître des cadavres, n'interviennent pas. Les autres animaux du troupeau restent à bonne distance et les chiens refusent de s'approcher. Alors, il y a bien quelque chose qui cloche. Qui est pas du tout normal. Bon, tout cela étant totalement anormal, les éleveurs avertissent les autorités avec l'espoir de résoudre un mystère, d'empêcher que pareille horreur se reproduise, mais aussi dans le but de toucher des primes d'assurance. Lorsque la. Oui, parce qu'en plus, malheureusement, ils perdent. Oui, alors là, c'est encore autre chose. L'affaire. Alors, va-t-on expliquer ça? J'ai vu des ovnis dans le ciel, une mutation de bétail. Qu'est-ce que je fais avec l'assurance, tout ça, c'est quand même du lourd. Hein. Lorsque l'affaire est signalée par les médias, une explication. Les médias. Ne tarde pas à être signalé, mis en avant par les autorités, des animaux carnivores tels que des canidés ou félins sauvages sont les auteurs de ces tueries. Lorsque quelqu'un objecte le fait que les incisions sont de type chirurgical, ce qui exclut l'hypothèse de prédateurs naturels, il n'obtient aucune réponse de la part des administrations qui se bornent à répéter l'explication qu'ont trouvée et poussent la plaisanterie jusqu'à prétendre qu'elle émane d'experts compétents. Bien sûr. Telle est dans ces grandes lignes l'inquiétant scénario des mutations de bétail. L'inquiétant scénario des mutations de bétail. Là, on peut le dire, l'inquiétant. Le très inquiétant même. On pourrait le compléter en ajoutant que lorsque le phénomène s'attarde trop longtemps sur une région donnée, les éleveurs ayant fini par admettre que les pouvoirs publics ne prendraient jamais le problème à bras le corps, se résignent et cessent de signaler de nouveaux cas. Le phénomène semble avoir été identifié pour la première fois en septembre 1967 dans le Colorado, hein, avec l'affaire dite de la jument Snippy. Snipy. On va faire des recherches. De toute façon, moi, à la fin, je vais mettre surtout Chupacabra. Lettre hybride. Wow, il y a un sacré bruit. Lettre hybride qui a été modifiée génétiquement. Les habitants du lieu ayant fait le rapprochement entre la mutation d'animal et des ressorts d'apparition d'OVNI, l'histoire fit rapidement le tour du monde. Des esprits avisés s'en indignèrent aussitôt, expliquant combien d'idées dépourvues de fondements scientifiques étaient stupides. Oui, c'est stupide, ça c'est sûr, hein, scientifique. La suite des événements allait leur donner et bonne raison de se faire discret. Le phénomène en effet s'étendit à différents pays. Des cas isolés ont été signalés en Europe, le sujet étant vaste, portant notre attention sur une vague de mutations de bétail et d'apparition d'OVNI qui a secoué l'Argentine de mai
à septembre 2002, et même encore de nos jours, hein, même en France en 2020, hein, 2021-2020. À la date du 26 juillet, on comptait déjà 394 bovins mystérieusement mutilés. C'était une sacrée organisation d'êtres humains, hein, habillés avec des capes blanches, je sais pas quoi. Les mecs, ils sont forts. Hein. La zone affectée par la vague argentine, et encore, ça sert à rien, hein, 394 parmi des milliers d'autres. Hein. Oui, hein, il y a eu jusqu'à un moment 15 000 cas avec des observations d'OVNI, j'ai vu sur une année ou deux, 15 000 cas hein, pratiquement. Là, il y avait de tout, observations d'OVNI, mutations de bétail, tout y était mélangé, ça faisait 15 000 en tout. Bon, à part ça. La zone affectée par la vague argentine du printemps 2002 couvre les trois quarts du pays avec une forte concentration d'incidents dans la région de Bahia Blanca. Et je coupe là, je ferai une deuxième partie. Deuxième vidéo qui va être très lourde parce que c'est tous des cas de mutation horribles. Quand je dis horrible, c'est horrible. Donc j'ai quand même marqué âme sensible, s'abstenir. Je préfère. De toute façon, toutes mes vidéos, je ne les mets pas pour les enfants. Je devrais certaines, mais je préfère pas. Ouais. Pardon. Ça fera un peu comme la mort atroce au Brésil en 1946 où j'avais mis âme sensible, s'abstenir. Alors je vais refaire le même pour ce livre-là. Et je préfère hein, quand même être. Par précaution. Et il y aura un petit 2, hein, évidemment, parce que c'est du très lourd. Hein. Là, je vous dis après, il y a du très très lourd, il y a des trucs. Quand je vous dis que c'est horrible, c'est horrible. C'est 20 vaches mutilées ici, des veaux, c'est horrible. Trois jeunes bœufs, même des coqs, des lapins, enfin bref, tout. Bon, là, c'est. Après, celui qui veut manger, bah, bon appétit, hein. À plus, merci, à bientôt. Enfin, je vais mettre surtout Chupacabra. Bon, quelques photos de vaches, tout ça, mais surtout Chupacabra, j'essaie de mettre ça le plus possible. Parce qu'elle est mentionnée dans ce livre-là hein, plusieurs fois, hein, donc. Pas mal de fois, hein, une créature velue, 80 cm à 1 mètre, dégueulasse, quoi. Enfin, toi qui suce le sang, quoi. Suceur de chèvre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, j'essaie de mettre ça à la fin. Âme sensible, s'abstenir, comme ça au moins, c'est sûr. Que, bon, je préfère, hein, par précaution. Vous savez, maintenant, je préfère être par précaution. Hein, tellement. Bon, bref. Affrontement extraterrestre et dossier non classé, le mercure dauphinois. Et ce livre-là, c'est une véritable petite bombe. D'ailleurs, je suis à la page 173. J'ai à 300 pages, petit peu à la fois, on y arrive. Je coupe là. En France aussi, il n'y a pas si longtemps. Je m'en souviens avec les chevaux, là, déséquilibrés, tout ça. Bon, bref. Oui, c'est possible, possible, mais pas au point de faire des chirurgies pareil. C'est impossible. D'ailleurs, même une femme, je crois que c'était FR3 ou FR2, qui a été coupée, hein, comme par hasard. Hein. Il y avait des observations de données, elle a vu des flashs de lumière ou un fermier, on n'a pas entendu plus. Hein. Là, je l'avais vu, ça, je sais pas fou. Hein. Et j'ai même vu une femme, elle a dit, on n'a jamais vu ça, des trucs pareils, avec une précision chirurgicale pareille, on n'a jamais vu ça. Une fois, je l'ai vu. J'ai plus jamais vu cette dame-là. Hein. Bon, bouche cousue, hein. Bon, enfin bref. C'est comme ça, c'est comme ça, il faut être dans la pensée unique. Je coupe là, merci, à bientôt, à plus, c'est du très lourd, une très longue vidéo, je sais, moins 20 minutes, mais j'y peux rien, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, en mutation animale, derrière. OVNI à tous en danger, on en parle aussi de Bernard Bidot, c'est Daniel Robin, j'avais oublié, bon, et on en parle aussi de livre de Joël Ménard. Donc ça fait trois références de livres où on parle de mutation animale, et c'est du très lourd. Un sujet pourtant qui devrait être, on aurait en parlé beaucoup plus. C'est pour les éleveurs, ça c'est pas marrant non plus. Ça. Je vous remercie à plus. Il y en a un petit 2.
tout le monde. Deuxième vidéo, affrontement extraterrestre, mutation de bétail, petit 2. Alors, je sais pas s'il y aura un troisième, on verra bien. Alors, la page 140, je suis déjà à la page 220. Je vais dire de la page 140 à 145, hein. Ça va être quand même assez long à lire. Hein. Autant commencer tout de suite, et derrière, c'est du très lourd. Hein. Oui, c'est du très lourd. C'est un sujet en plus que j'y tiens beaucoup. Faut pas prendre ça à la légère comme je disais dans la dernière vidéo. Hein. 2 jours avant, hein, 2, 3 jours. Donc voilà, c'est pour moi c'est du très sérieux. On en parle de plus en plus l'ufologie, hein, tout ça. Bon, c'est bien dans les médias français, tout ça, mais bon pour moi ça reste plus du blabla qu'autre chose. Hein. Bon après, bah, c'est bien, on en parle, mais bon, faut aller beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. C'est pas assez, c'est pas suffisant pour moi. Mais ça commence à se réveiller. Mais bon, c'est on est encore loin. On est encore loin. Ça commence à se réveiller, mais on est encore loin. Alors, bah, on va commencer tout de suite la deuxième. Hein. OVNI prédateur, principale victime, les animaux, petit 2. Je ne sais pas si je ferai un troisième, je verrai bien. J'en sais rien. De toute façon, je reviendrai sur ce livre-là, qui est énorme. Énorme. Allez, autant commencer tout de suite. C'est parti. Très, très bon livre. Excellent. Que je rappelle quand même ici, les dossiers non classés, hein, des histoires que tu n'entendras pas autre part. C'est souvent dans les livres ufologiques, c'est des histoires qui se répètent entre les uns et les autres. C'est ça qui est un peu dommage. Donc, bon. Et là, c'est complètement différent. Hein. C'est parti. Alors, le soir du 19 mai, un général Campos, à l'est de Santa Fe, non loin de la frontière avec l'Uruguay, un homme nommé Nector Pelayo observa le passage dans le ciel d'un objet lumineux qu'il ne put identifier à rien de connu. Le 23 mai, le quotidien La Arena révéla qu'on venait de découvrir une vache morte, mutilée et vidée de son sang. Alors, ce que je signale encore, c'est qu'il y a toujours une apparition d'OVNI avant. Hein, c'est pas ce qu'ils disent à la télé. Hein, c'est souvent le cas. Il y a toujours des apparitions d'OVNI avant que ça se passe. Hein, bon. Il s'agissait un Aberdeen Angus, hein, c'est le nom de la vache, d'environ 3 ans et pesant 450 kilos. C'était la troisième fois en quelques jours et cela s'était passé sur les terres de la ferme El Yutri, à quelques 70 km de la ville de General Acha, non loin des routes 115 et 18, plus précisément dans le secteur 16, section 9 du département du Tracan. On ne peut pas faire plus précis, je pense. Sur le propriétaire de l'animal, l'éleveur Dario Garcia, la mort était intervenue entre 18 h et 17 h le lendemain. Un œil, l'oreille gauche, la mâchoire, la langue, les pies et les organes génitaux avaient été prélevés sur la bête retrouvée complètement exsangue. Alors là, à la fin des vidéos, je vais vous mettre des images. Alors pareil, hein, âmes sensibles savent se tenir. Hein, je vais encore mettre le même titre. Hein, je préfère me rassurer. Avec les mutilations de bétail. Là, je vais surtout me concentrer sur les mutilations de bétail. Enfin, j'ai essayé de trouver les meilleures photos. Hein. La police, sous les ordres de l'officier Lucero, se rendit sur les lieux en compagnie du vétérinaire Juan Manuel Ortegdag. L'absence totale des traces de sang ne permit pas de formuler la moindre hypothèse. Toutefois, l'examen des incisions montra qu'elles avaient été pratiquées à l'aide d'un instrument tranchant et très chaud. L'affaire fut confiée au juge Manuel Alvarez, président du tribunal de Général H. Elle présenta une similitude très marquée avec celle qui s'était déroulée quelques jours plus tôt près de Sally Kello. 2 semaines plus tard, le 6 juin, les lecteurs de la Arena apprirent une autre nouvelle stupéfiante. Plusieurs personnes avaient signalé la présence dans divers quartiers du Général H. d'un nain vert qui prenait la fuite sitôt qu'il a été observé. Bon. Imagine, c'est pas un inverse, mais bon, maintenant c'est dans les médias, ils commencent à dire, ils osent plus dire ça. Ça commence à se réveiller, même en France. Et maintenant, ils commencent à dire phénomène expliqué. Voilà. Avant, ils disaient phénomène expliqué tout court, mais là, ils commencent à dire phénomène expliqué avec quelques observations d'OVNI. Voilà, enfin, dernière dire, ça commence à avancer. Quoi. Avant, c'était tout juste les petits hommes verts à la fin, Chewbacca, toujours la même connerie. Quoi. Bref. Le 15 juin, le quotidien Online Rio Negro confirma qu'une situation anormale régnait dans la province de Lampampa. On y comptait une vingtaine de vaches mutilées. Vingtaine. Le cas le plus récent était celui de la Adela, où les cadavres de 11 vaches avaient été découverts dans le même champ. Un vétérinaire attaché à la municipalité de la Adela, José Cassiavillani, expliqua sur Radio Manantial que la mort des 11 vaches remontait soit au 8,
soit aux premières heures du lendemain. Ce soir-là, le gardien du troupeau était absent. Lorsqu'il rentra le mardi, il découvrit d'abord quatre cadavres à proximité immédiate, 50 mètres de la ferme, ce qui n'est pas si loin de la ferme. Il sauta sur son cheval pour aller inspecter le reste du troupeau. Ayant trouvé d'autres vaches mutilées, il alerta aussitôt les autorités. Le docteur Kasiavilani arriva le lendemain et parcourut 5 km sur les terres de l'éleveur. Bilan, 11 vaches tuées et mutilées de façon incompréhensible. La plus légère d'entre elles pesait avant sa mort 350 kg. Pour pratiquer de telles incisions, il fallait utiliser un scalpel électrique. En outre, on ne constatait aucune trace d'une quelconque présence humaine ou animale, et aucune empreinte de véhicule autour des carcasses. L'herbe intacte prouvait que les bêtes n'avaient pas été traînées au sol, avaient dû mourir de manière subite sans se débattre, car ne voyant aucune trace de coups de sabot. Sur plusieurs d'entre elles, un mamelon avait été prélevé, ainsi que la glande mammaire correspondante, sans que les autres mamelons avaient été touchés. Contrairement à d'autres cas du même genre, le cœur et le système circulatoire n'avaient pas été vidés de leur sang. Aucun indice ne permettait de conclure quant à la cause de la mort. Le gardien du troupeau préleva de la viande. Alors écoutez bien, parce que c'est très intéressant, c'est des trucs qu'on n'entend jamais à la télé, hein, ou que ce soit, enfin, bref. Le gardien du troupeau préleva de la viande sur l'une des bêtes afin de nourrir ses chiens. Mais écoutez bien. Mais ceux-ci refusèrent d'y toucher. Habituellement, si une vache vient de nourrir, de mourir dans la prairie, oui, se nourrir, ouais, de nourrir, divers animaux sauvages ne tardent pas à se répaître de son cadavre. Mais là, les chiens, ils n'en veulent pas. Mais aucun d'eux ne s'attaqua aux 11 vaches mutilées. Donc il n'y a aucune bête aux alentours, hein, des renards, ce que tu veux, qu'ils ont été remangés par au-dessus, des corbeaux, à la chair, non, rien. Même les chiens, ils n'en veulent pas. On découvrit dans les secteurs de Macachin et la Riviera d'autres cadavres qui portaient rapidement le bilan local très provisoire à 20 vaches mutilées. À Areno, une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Riviera, le samedi 8 juin, un éleveur nommé Diez découvrit une de ses vaches mortes. Son fils et un ami se rendirent aussitôt sur les lieux et trouvèrent sur la bête des incisions révélant un processus de cautérisation, hein, séché, cautérisé, hein, du jamais vu, hein, le sang, bon bref. Une cavité oculaire avait été vidée. Il y avait des incisions sur les maxillaires. La langue avait été coupée et la coupure avait été cautérisée. Une incision courait sur l'abdomen jusqu'à la queue. Les glandes mammaires, les organes de reproduction, l'anus et les intestins avaient été prélevés. Le lundi 10, un vétérinaire inspecta la carcasse et découvrit que l'oreille gauche avait été découpée à l'aide d'un instrument chauffé à haute température, ce qui avait cautérisé la plaie. Or, lorsque le fils Diez avait fait une vidéo de la bête morte, le samedi, l'oreille gauche était encore présente. Les mutilateurs étaient revenus sur le lieu de leur forfait. 15 km du sud-ouest de Macachin, c'est une génisse rousse que son propriétaire Pedro Miller trouva morte dans une position très inhabituelle, les quatre membres écartés. Les policiers, accompagnés d'un vétérinaire, constatèrent des incisions sur le museau et l'ablation des deux oreilles. Enfin, 15 km du sud de Rivera, ce sont trois jeunes bœufs qu'on trouva mutilés dans un champ appartenant à la famille Kepour-Schmidt. Dans une édition du 15 juin, le quotidien de la Pampa El Diaro rapporta que selon un ufologue, Oscar Alfredo Mario, des lumières étranges avaient été observées sur les sites de mutilation de bétail. Encore une fois, des lumières étranges. Des ovnis, des apparitions. Hein. Il citait un cas récent à Ataliva Groca, ainsi qu'un autre plus ancien à Remeco en 1989. Il conclut à une permanence de l'activité ovni sur la région. Et l'activité ne tarda pas à lui donner raison, puisque le vendredi 21 juin, un communiqué de la CIB, Sociedad Investigación Biofis, je sais pas quoi, bon. Et un article dans El Diario signalèrent deux observations toutes récentes. À Santa Rosa, dans le quartier du 25 mai, des officiers de police avaient observé un ovni et envisagé, encore une fois, un ovni, et envisagé que cela puisse avoir un rapport avec une manifestation de bétail. Alors eux, direct, il y avait un rapport avec une manifestation de bétail des officiers de police. Hein. Là, là, au moins c'est direct. Bon, récemment constaté dans les provinces de la Pampa, de Rio Negro, de la Buenos Aires. Le mercredi 19 juin, dans la province de Mendoza, des dizaines de personnes avaient observé deux reprises vers 8h du matin, puis 20h30 du soir, hein, un phénomène lumineux survolant un gisement de fossiles marins nommé Cerro Los Fossiles, près du complexe touristique de Las Lena. Il s'agissait d'une lumière descendant à flanc de montagne. Elle avait été particulièrement bien observée le matin par le conducteur d'un engin qui damait une piste de ski à 600 mètres de distance
l'intense lumière multicolore, hein, polymorphisme, ils font ce qu'ils veulent, avait provoqué une panne momentanée de sa machine. Bon, le coup classique. Hein. Le soir du vendredi 21, après la tombée de la nuit, une étudiante de dernière année en management d'entreprise, Caroline Monténégro, observa pendant 5 minutes un objet qui changeait de couleur, passant de l'orange au rouge, puis au vert et redevenant orange. Hein, c'est multicolore. Hein. Le samedi 22 juin, l'agence Telam annonça que selon les spécialistes de l'école de la médecine vétérinaire de Tandil, le nombre de carcasses dépassait 200. Oui, c'est une sacrée organisation avec des gens habillés en cape blanche ou noire. Hein. Enfin, bref, tous les trucs farfelus qui tiennent pas la route, de toute façon, faut le dire. Faut arrêter de... Bon, bref. Il y a 2, 3, 5 dés, ça peut arriver, ouais, qui font des petits coups comme ça d'incision, mais pas aussi précis. Hein. C'est pas possible. Bon. Il avait, faut pas oublier qu'il y a de nombreuses bases, hein, etc. J'avais déjà fait une vidéo sur Odyssée que j'ai posée postérieure. Il y a des centaines de bases sur Terre et sous Terre. Il y a des expériences, je ne préfère même pas y dire, y penser. Hein. Avec militaire, etc. Bon, bref. Extraterrestre, hein, relié avec. Hein, d'accord? Bon, que. Bon. 200, dépassé 200, hein, les carcasses. Il avait déjà enquêté sur 130 cas et écarté l'hypothèse d'un prédateur. Des éleveurs et les experts de l'université se réunirent à Olavarria. Et c'est là que la surprise générale, le directeur de Senasa, Bernardo Cani, déclara que les morts d'animaux étaient chose courante à cette époque de l'année. Avant de suggérer l'action d'un culte énigmatique se livrant à des pratiques ésotériques. Oui. Les autres participants à la réunion qui rappelèrent la perfection. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Là, c'est du très lourd en mutation animale. C'est pas là pour rigoler. Hein, c'est du très lourd. Hein, comme dans la forêt de Brocéliande. Je sais plus qui avait fait une émission comme ça. C'était très intéressant. Des carcasses d'animaux ou des carcasses qui ont été bridées. Il y avait trois animaux dans le même animal. Je veux dire, c'est un truc de dingue, quoi. Et jetaient souvent des ovnis. Hein, bon, bref. Je crois que c'était vers la forêt en Bretagne. Je crois qu'ils sont des cas vraiment bizarres. Les autres participants à la réunion les rappelèrent la perfection des incisions, l'étendue de la zone affectée par le phénomène à cette date des provinces de Buenos Aires, de la Pampa de Santa Fe et d'Entre Rios. En vain, Canet se borna à rappeler que quelques années plus tôt, quelques 15 000 cas, c'est ce que je disais dans notre vidéo, 15 000 cas avaient été signalés aux États-Unis. 15 000 cas, vous imaginez? Un petit peu, ce que les enquêtes n'avaient donné aucun résultat. Dans la même ligne de pensée, un technicien de la Commission de la régulation de l'énergie atomique, Eduardo Quintana, prétendit qu'il n'y avait rien d'anormal dans les mutilations de bétail avant d'admettre que la commission n'avait pas commencé à enquêter. Pendant ce temps, dans les prairies, le massacre continuait. Ainsi, dans le sud de la province de Buenos Aires, on trouva le cadavre mutilé d'un veau de 9 mois. C'est pour ça que j'en mange plus du veau. Ce sont du veau. L'agneau, du cheval, surtout le cheval, ça fait belle urette, j'en mange plus. Donc, vous voyez. Mais c'est pas nouveau, hein. Du cheval, ça fait plus de 10 ans que je mange plus. Du veau, ça fait depuis un petit moment que je mange plus, et l'agneau, c'est pareil. Hein. Bon, bref, hein, ça, c'est mon. Bon, voilà. De race Aberdeen Angus, hein, c'est le nom de la race du veau, hein. Mutilé d'un veau de 9 mois, vous imaginez déjà la pauvre bête. À Pigué, au nord de Bahia Blanca, ce sont 9 bovins qui subirent le même sort. À la Pampa, 10 km au sud-ouest d'Abramo, une vache de race Storton fut trouvée sans mâchoire. Sans langue et sans pie. Son propriétaire Oscar Alvarez signala la perte dans des conditions semblables d'une Aberdeen Angus et d'une Hereford. À Jacinto Arroz, c'est une vache sans plus de précision qu'on trouva mutilée. Dans le département de l'Huel Calel, à la limite de Rio Negro, c'est une Aberdeen Angus, hein, la race de vache, qui fut découverte mutilée dans la prairie de San Laureano appartenant à Ricardo Lavandera. Il y a eu d'autres cas à Gobernador, Huguerte, dans le district du 25 mai, de même qu'à Bolivar et ainsi de suite. Le dimanche 23 juin, le quotidien El Liberal de San Diego del Estero annonça la découverte par Joaquin Lemos la veille d'un cadavre mutilé d'un génisse à Willimauge, dans les départements de San Martin. Les yeux et les pies avaient disparu. Ben, je vous mettrai certaines photos à la fin, mais attention, hein, c'est quand même assez... bon. C'est quand même du lourd. Les représentants locaux de la police et de la justice déclarèrent que l'incident méritait toute leur attention, puisque le cadavre ne pourrissait pas et que les charognards s'en désintéressaient. Oui, parce que même les charognards, ils n'en veulent pas. Donc n'allez pas me dire que c'est des gens qui font ça. Hein, je vois encore des gens, là, ils parlent du projet Blooming, je sais pas quoi. L'apparition mariale, bon, non. La palette ufologique, c'est bien plus complexe que ça, et c'est bien plus extraordinaire
que ça. On parle d'êtres qui sont pas de ce monde. Hein. Bon, je sais pas si. Bon. Il n'y avait aucune trace de pas ou de pneus autour de l'animal. Dès lors, la situation fut prise au sérieux par les autorités locales. L'article El Liberal précisait que le docteur José Antonio Unates, attaché à la 5e cour de justice criminelle, bah c'est des sacrés criminels, parce que pour les retrouver, ceux-là, je pense que c'est. Hein, c'est pas la peine. Hein. On sait comment ils sont. Bon, bref, grosse tête, gros yeux noirs, chupacabra, hybridé par les reptiliens, en gros. Devait se rendre sur le site en compagnie du chef de la police, le shérif José Tamos Lescano, du vétérinaire de la division K9, Eduardo Bet-Beder, d'un chimiste de bureau des narcotiques, Roberto Adamo, et d'un membre au moins de l'Institut de bromatologie de la province. En outre, le juge, une Unates, demanda que soit présent le président de l'école de médecine vétérinaire de Santiago del Estero, ainsi qu'un ufologue, quand même. C'est quand même lui qui a, pour moi, la meilleure réponse. Enfin, il le donne à la fin. Mais bon, je dis pas que les autres, oui, d'accord. Le docteur Andrés Miotti. Le même article signalait que des habitants du quartier Santa Rosa de Lima, Santiago, avaient observé d'étranges objets lumineux. Encore une fois, c'est des étranges objets lumineux dans le ciel. C'est comme l'apparition des hélicoptères noirs qui sont souvent accompagnés d'une mutation de bétail. C'est pas des militaires, c'est des ovnis polymorphes. Le polymorphisme et le mimétisme des ovnis. Ils peuvent se transformer en hélicoptères, en avions de chasse, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. C'est bon, il y en a d'autres toujours pas compris le truc, faut pas oublier qu'ils ont des milliers, des dizaines de milliers d'avance. Je crois qu'une fois c'était un scientifique qui avait dit, je sais plus si c'était un scientifique, mais un bon scientifique, hein, peut-être russe ou américain, peut-être russe plus russe. Une fois j'avais vu deux scientifiques russes qui disaient que les pyramides en Égypte, elles devraient même pas exister, elles devraient même pas être là. Alors déjà ça commence si fort. C'est-à-dire que bah, l'architecture et puis la géométrie c'est pratiquement impossible, l'ombre d'or, elles devraient même pas être là, pratiquement. Bon bref. Mais là, ça, alors, on s'égare. Il y avait un scientifique qui disait. Merde, ça va me revenir, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. La même article signalait qu'un des habitants du quartier San Diego avait observé d'étranges objets lumineux les soirs précédents en direction de la Venasha, tandis que les observations analogues étaient faites à Fernandez et à Joro de Aguavo. Ça va me revenir, je pense. À Fernandez Robles, où un ovni était apparu à diverses heures de la nuit du 11 au 14 juin, un nouvel incident se produisit le 20 aux environs de 21 h avec des nombreux témoins répartis dans divers quartiers. L'un d'entre eux, un mécanicien nommé Marcelo Coronel, habitant à Barrio Norte, vit quelque chose qui semblait à un phare de voiture blanc entouré d'un halo rouge changeant de nuance. La chose se déplaçait lentement au nord vers le sud au sens opposé. Vous savez, ça m'est revenu. Ça m'est revenu le truc. Du vent et sans bruit, Coronel, qui s'est rendu à un club sportif, suivit l'objet sur la vieille route 34 pendant une vingtaine de minutes. Le lundi 24, on apprit qu'à 10 km du sud de Roque Pérez, un éleveur nommé Pedro Conserva venait de perdre 3 vaches, Aberdeen Angus, la race, retrouvée à 1 km de sa ferme, sans langue, sans yeux, sans oreilles et sans pied. L'absence de toute trace de coups de sabot incitait à penser qu'elle n'avait pas souffert. L'examen des coupures montra alors encore qu'elles avaient été pratiquées à l'aide d'une lame très chaude, ou laser, ou électrique. Voilà, et c'était un scientifique qui avait dit que si tu posais un ovni quelque part dans le désert, hein, ou ce que tu veux, pour te dire la technologie qu'ils ont, tu peux revenir 1000 ans plus tard, il est toujours intact. Il n'a pas bougé. Hein. Voilà. Alors que si tu mets un avion, il va pourrir et la carcasse, ça sera complètement démolie. Voilà. Ça veut dire que si tu poses un ovni quelque part dans le désert, qui est là depuis 1000 ans, 2000 ans, il sera toujours intact. Il n'y aura pratiquement rien. Aucune rouille. Voilà, c'est ça la différence avec notre technologie de maintenant, je veux dire. Hein. Bon, bref. Je coupe là. Parce que j'aurais jamais fini. Peut-être que je ferai un troisième. Je sais pas. Je vais voir. En tout cas, petit 2. Il est fini. 19 minutes. Ça va encore faire 20 minutes. Un bon 20 minutes, c'est sûr. Avec les images, la présentation au début. Bon, bref. Je coupe là. Merci et à bientôt. Et qu'on arrête de dire que les mutations animales, c'est des gens habillés en cap. Je sais pas quoi. Cette habit que. Projet Blue Beam militaire, non, non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'habitants d'observation qu'ils ont vu qu'il y a souvent des ovnis de toutes les couleurs. Il y a même un ovni triangulaire, je l'avais dit dans l'autre vidéo, qui faisait 200 mètres de long, que les policiers ils ont vu. J'ai l'impression que c'était une ville entière qui s'élevait. Hein. C'est un truc incroyable avec des centaines de hublots autour. Il y avait aussi un autre truc, il y avait un ovni circulaire de 50 mètres de diamètre, qui était énorme. Donc ça n'a strictement rien à voir avec tout ça. Faut arrêter je veux dire, de la prendre à la légère. Parce que c'est quand même très sérieux. Les chupacabras, c'est pas prendre
non plus à la légère. Hein. Donc voilà, c'est une sorte de petit gris pour moi hybridé. Après, je peux me tromper. Je coupe là. Merci et à bientôt d'ici 2-3 jours. À plus. Peut-être un petit 3, j'en sais rien. En tout cas, je reviendrai sur ce livre-là qui est juste incroyable. Ceux derrière aussi, il faut les posséder. Hein. Revenir de son danger, mutilation animale. Mais celui qui a pas revenir de son danger, je vous le conseille. Là, il y a mutilation de bétail, disparition de bateau, d'avion, j'avais déjà fait des vidéos. Hein. D'enfants, qu'on retrouvera jamais. Donc, bon, là, c'est très lourd aussi. Mais il y en a qui osent encore dire oui, c'est pour rire. Côté, à un moment, un autre, faut. Je pense qu'il est temps de voir la réalité. À plus! Tout le monde, troisième partie. J'ai quand même faire une troisième partie pour clôturer mutilation animale hein, de bétail. Le livre Affrontement extraterrestre, enfin, pour clôturer le chapitre mutilation de bétail, pour pas pour clôturer non plus l'ufologie. Non, ça, je vais continuer pendant belle lurette. Peut-être que j'en reviendrai sur mutilation animale, j'en sais rien. Je vois 165. Autant commencer tout de suite. C'est sa page 165, si je me trompe pas. Je vais faire en troisième partie en trois parties. C'est assez long à lire, donc autant commencer tout de suite. Ouais, comme ça, après, je passerai à autre chose. Bon, voilà, toujours, peut-être de ce livre-là ou un autre livre, il y en a tellement. Donc, bon, voilà. C'est parti, autant commencer tout de suite. Comme ça fera en trois parties. Alors là, j'ai tout balancé, j'ai balancé du lourd. Hein. Affrontement extraterrestre de Joël Ménard. Les dossiers non classés. J'en reviendrai aussi sur ça, les affrontements. Il y a deux, trois passages très intéressants avec des illustrations comme ça d'images. Oh, certainement. Allez, c'est parti. À l'automne 2002. Joël Ménard. J'ai publié dans le numéro 366 de Lumière dans la nuit un très bon article, 19 pages sur cette vague argentine. Quelque temps plus tard, j'ai reçu un courrier de Madame MD, une Française qui vivait en Argentine depuis 7 ans.
et élevait du bétail dans le nord de la province de Cordoba. Elle m'a fait part de deux incidents qu'elle avait vécu le 6 mai et le 5 août. De toute façon, j'ai deux images en noir et blanc, mais bon, c'est atroce, hein. Le premier est un exemple parfait d'affrontement qu'elle a résumé en ces termes. Il faisait encore sombre à 6h30 du matin, ce 6 mai 2002, mai en Argentine, étant un mois d'automne, hein, au mois de mai, hein. Je me rendais au village de Villa de Maria del Rio Seco pour achat. Pour arriver à la route, nous devons emprunter une large piste longue de 8 km. J'étais en compagnie du directeur de mon estancia, Nello Romero, et d'un ami que nous avions pris en chemin, Don Isidro. J'étais assise entre deux, eux deux, hein. C'est Nello Romero qui conduisait la Chevrolet Silverado, un véhicule à plateau. À 6 km environ de notre point de départ, je vis soudain sur notre gauche deux lumières jaunes, encore une fois, des ovnis. Comme deux phares de voiture, elle n'était pas très loin de la piste, à 8 ou 10 mètres peut-être, dans un endroit inaccessible. En plus, aussitôt je criai: Nello, reculez. Il s'arrêta, enclencha la marche arrière, recula sur 10 ou 15 mètres et s'arrêta, pensant qu'il s'agissait peut-être des braconniers. Je fis descendre Don Isidro, monter sur le plateau et tirer 3 balles de 32, je suis toujours armé, dans leur direction. Les lumières virèrent au rouge et s'éteignirent dès la première balle, peut-être même avant. Ouais, comme s'ils ressentaient déjà le truc. Plus tard, nous avons rencontré ça à des Alambrados, des ouvriers qui posent des clôtures de fils de fer barbelés pour que les vaches n'aillent pas n'importe où. Ils ne m'ont pas cru. Les trois frères Ponce ont rigolé. Ils m'ont dit que c'était des étiquettes en plastique qu'ils posent sur les clôtures. Il n'empêche qu'à l'épicerie où j'étais allé pour acheter des munitions, j'ai appris que le samedi soir, un jeune avait vu des lumières dans le ciel. Le second incident, relata Madame MD, hein, toujours la même, concerne deux cas de mutilation de bovins. Une vache, le 5 août, et un taureau. Taureau, là c'est taureau, hein, aussi. 2 jours plus tard, voici son récit. Le 5 août, des gauchos arrivent à l'estancia. Alors gaucho, je ne sais pas si c'est par rapport gaucho, gauchiste, peut-être, à droite sûrement. Des gauchos, ouais. Et m'annonce qu'il y avait une vache mutilée à 4 km de notre habitation, sur notre propriété. Donc je me rends à cheval sur les lieux. C'est le seul moyen d'y parvenir. Dans une petite clairière ronde sur l'herbe sèche, nous sommes alors en hiver, une vache est allongée, l'intérieur des joues enlevée, la langue chirurgicalement enlevée, ainsi que les parties génitales, la peau de la moitié supérieure de la queue, un trou de 6 à 8 cm sur la place, à la place du cœur. Lui aussi enlevé et un œil enlevé, celui qui est en face contre terre. La vache trouvée mutilée le 5 août 2002 près de Villa de Maria del Rio Seco. Hein, ça commence déjà fort. De toute façon, je vous remettrai les photos à la fin. Hein, j'essaie de retrouver des articles, je sais pas quoi, où je mettrai que des photos comme ça. Mais pas trop atroce, hein, encore une fois, âme sensible, s'abstenir. Hein. Je préfère prendre mes précautions par sécurité, on va dire. Voilà. Je vous remettrai les liens à la fin. Ok. On remarque l'effet suivant, l'animal est comme opéré au laser. On ne constate aucun saignement. Oui, parce que c'est séché et cautérisé. Je l'avais déjà répété dans les deux autres vidéos. La cicatrice est comme si on avait brûlé le tour, la peau étant comme parcheminée. Pas de sang. Aucune trace de sang. Hein. J'ai fait des photos tous les jours, pendant 10 jours, pour voir la progression de l'état de l'animal. Or, chose curieuse, les corbeaux géants, toujours présents. Dès qu'un animal présente une faiblesse ou une maladie, ils arrivent bien avant tout autre signe détectable. Ces corbeaux géants tournaient bien autour de la vache, mais sans jamais la manger. Donc ça veut tout dire. Hein. Pas de ver, hein, pas de mouche. Le cadavre de... Ah oui, en plus, il n'y a pas de ver et pas de mouche. Alors là, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant aussi, ça. Un truc à souligner quand même. Le cadavre de la vache est resté souple au toucher, alors qu'habituellement, dès qu'une vache meurt, elle gonfle et devient raide des quatre membres. Ah oui, c'est vrai. Avec une cohorte de corbeaux qui la dépaisse. Ouais, dépaisse. Dans les heures qui suivent, là, ils tournaient autour sans la toucher. Voilà. Mais ils savent qu'elle est là, mais ils la touchent pas. Même les mouches, elles vont pas dessus, même les vers. Même les coyotes, ce que tu veux, renard, il n'y a rien qui va dessus. Hein. Donc, renard, bon. Je me rendis à la police de Rio Seco, là où j'ai rencontré l'inspecteur chargé de ces questions de mutilation. J'appris que le voisin à 20 km de mon estancien avait eu la douleur de perdre son cheval bien-aimé. De la même manière, à Rouge, comme on dit, de Agua, à 25 km, deux vaches, toujours de race, ont été mutilées après une apparition de lumière à basse altitude. À chaque coup, c'est une apparition d'OVNI. Hein, c'est toujours le même truc, hein, le même schéma, on va dire. Hein, en gros. Souvent, c'est des ovnis géants. Hein.
c'est monstrueux. Bon. Le vétérinaire Dardo Cividini est obligé de constater ses morts, mais ne s'étend pas sur le sujet, étant tenu par une obligation de réserve. Le 7 août, je me rends au village et on m'annonce que le dimanche soir, une lumière est apparue à un jeune homme habitant à quelques kilomètres de Villa de Maria del Rio Seco. Le lendemain, un très beau taureau, était trouvé mutilé, intérieur des joues enlevées, langue enlevée et castrée. Son propriétaire, M. Cordy, en était terrorisé. Alors, une autre photo en noir et blanc. À quelques heures d'intervalle, le taureau de Monsieur Cordy a subi le même sort, ou M. Cordy, je ne sais pas comment il s'appelle, mais bref. Voilà. Et là, c'est un taureau. Ok. Bah, de toute façon qu'on voit la tête, hein, c'est horrible. Le 15 août, vers 22h, Ricardo Villarreal va couper le groupe électrogène à l'Estancia et voit dans le ciel, à une hauteur, encore une fois, à une hauteur d'environ 20 mètres, une lumière qui le suit sur quelques mètres puis disparaît sans bruit. Nous avons tous l'impression d'être surveillés par qui, par quoi, et cela a commencé fin novembre 2001. Je me suis intéressé de très près à ces événements. Les policiers m'ont montré le seul point commun à tous ces cas de mutilation, une seule trace près de l'animal, un rectangle de 7 à 8 cm sur 4 cm enfoncé dans la terre. Un rectangle. On pense que ce pourrait être le pied d'un engin qui souleverait l'animal. Cette empreinte rectangulaire est apparemment propre à ces cas survenus dans la région de Rio Seco. Dans toutes les affaires signalées ailleurs, c'est au contraire l'absence de traces qui a étonné les enquêteurs. S'agirait-il d'un bétail factice? Alors, d'un détail factice, un détail bétail. Faut pas oublier aussi le chupacabron. Hein. Bon, il n'y a pas. Oui, il y a ça aussi. Hein. Seulement destiné à égarer d'éventuelles recherches, d'autres éléments atypiques ont parfois fait naître de semblables soupçons. Mais pour l'essentiel, ces exemples de mutilation s'intègrent bien dans l'ensemble du dossier. Quelle qu'ait été dans les faits cette vague argentine de 2002, deux choses sont certaines. D'une part, elle a été exceptionnellement bien documentée et d'autre part, son ampleur reste relativement minime si on le compare à ce qui s'était passé en Amérique du Nord depuis 1973. Au-delà de 2002, la situation devient plus obscure. Pour des observateurs situés en France, les sources écrites sur papier se font moins abondantes et moins riches. France, hein. Le phénomène des mutations se raréfierait-il? C'est bien possible puisque dans les années 80, la fréquence des cas d'atterrissage à celle des RR3 s'effondre. À rencontre approchée du troisième type, que je reviendrai sur ce livre-là aussi, de Julien Gonzalez. Quelques cas isolés permettent d'estimer que les ovnis sont toujours là, mais la façon dont ils se manifestent prend des formes nouvelles. Oui, c'est mimétisme et polymorphisme plus étonnante et parfois plus suspect par le passé. Sur Internet, l'abondance des récits et des images dépourvues d'indications de sources oblige à trier le bon grain de livrer, ce qui est le plus souvent impossible. Cela rend le problème plus complexe à appréhender et favorise des interprétations faciles. Mêlée à toutes sortes de considérations sans grand rapport avec elles, la question des ovnis devient presque insaisissable. Pourtant, le phénomène des mutations s'affirme peu à peu dans de divers pays sans prendre pays. La forme de vague comme celle que nous avons que venons de voir. Un cas remarquable est celui de Tappen dans le Dakota du Nord. Le 11 septembre 2006, Linda Moulton Hoy, c'est inconnu, hein, on l'a déjà vu même dans Alien Theory, tout ça, bon bref. Pour les rapports, tout ça, d'observation d'OVNI, etc. Bon. Elle a publié un rapport très complet sur cette affaire qui constitue aussi un parfait exemple d'affrontement, d'où le titre du livre, avec usage d'une arme à feu contre une créature de petite taille occupée à s'emparer d'une truie. Donc là, c'est le chupacabra. Bon, de toute façon, peut-être que j'en mettrai une photo à la fin ou deux. Enfin, une image, je veux dire. Avant cela, on trouve vers la fin du siècle dernier une série d'événements qui ont frappé le nord de l'Espagne. Du siècle dernier, au nord de l'Espagne en plus, et qui rappelle plutôt les cas de mutation signalés à Porto Rico. L'affaire a été exposée dans le numéro 46.3 de FSR par Raquel Andion et Erinke Thomas, dans la nuit du 20 au 21 janvier 1999. À Caparoso, province de Navarre, quelques 300 moutons, appartenant à l'éleveur J. Ramon Lucky, succombèrent à une attaque. 300. Sur les cadavres de 9 d'entre eux, on trouva 2 incisions circulaires percées dans le gosier. Les autres étaient morts, écrasés et asphyxiés dans la panique qui en avait résulté. Des vétérinaires de l'université de Saragosse venus sur place furent très étonnés de trouver sur chacune des bêtes portant des incisions une coupure nette de la trachée, comme faite au couteau.
L'éleveur trouva des traces au sol, apparemment celles d'un bipède, et qui ne put être identifiées. J'ai l'impression que c'est les morsures du petit gris hybridé, comme j'avais dit, hein. C'est un petit gris qui a été hybridé, hein, le chupacabra. Donc, avec ses crocs en avant, on imagine le truc, hein, les incisions parfaites et tout, hein, tout ce que tu veux. Au scalpel, quoi. Un massacre très comparable se déroula 5 nuits plus tard à Lerain. Les cadavres de 18 moutons, 18, principalement des brebis gravides, furent découverts éparpillés sur une étendue de 2 km carrés. Ils présentaient les mêmes incisions que ceux de Caparoso. 6 autres avaient disparu. Là encore, on trouvera au sol des traces de pattes portant des griffes très acérées. C'est pas Freddy Krueger, hein. Une attaque comparable avait eu lieu à Lerain, 3 mois et demi plus tôt, dans la nuit du 8 au 9 octobre 1998. Dans aucun de ces cas, la chair des animaux n'avait été consommée ni même entamée. Ils avaient seulement été vidés de leur sang. C'est comme un plaisir, en fait. Je pense que c'est ça, c'est un plaisir. En même temps, ils vont devoir faire des expériences avec ça. Ils ont les organes génitaux, je veux dire, sexuels, pour essayer de faire des thèses, des trucs comme ça. Bon, bref. La France n'a pas été épargnée par les phénomènes de ce genre. Le 21 juin 1968, Monsieur Pierre Pichot-Rousseau, Émile et René Margerie, occupés aux travaux des champs à Brazé-en-Morvan, observèrent de loin, mais assez longtemps, en fin de matinée, il faut pas oublier que nous sommes le 21 juin 68 en France. Et oui, il n'y a pas qu'aux États-Unis, hein. Enfin, plutôt Amérique du Sud, un objet blanc très lumineux posé au sol sur les pâtis de Nailly. Ils apprirent le lendemain que 2 brebis avaient disparu du troupeau et qui passaient. Et qui paissaient. PAI, 2S, AIT. Hein. Quelques jours plus tard, une troisième brebis disparut au même endroit et une quatrième fut découverte morte au pied d'un arbre. Nous étions en 1968 en France. Ça, c'est bien de le signaler. Quand même. Hein. Il y a plus de 50 ans. Le 10 juillet, les 3 témoins du 21 juin souffrirent de douleurs oculaires et les gendarmes de Liernais constatèrent la présence dans l'herbe et sur les taupinières du pâtis de traces qui ne purent être identifiées. Déjà peut-être Chupacabra à l'époque. De nombreux cas de molestation de bétail comportent des éléments qui les rendent incompréhensibles sans qu'apparaisse un lien avec le phénomène OVNI. En voici un exemple, le 12 mai 1994, jeudi de l'Ascension, Monsieur Pierre Pomara et son épouse se promenaient du côté de Rion S. Montagne, entre les villages de Valette et de Colandre, près de la ferme de la Châtonnière. Vers 16 h, ils découvrirent une jument morte, couchée sur le flanc droit. Il lui manquait l'œil gauche, ainsi que la partie rectale et les organes sexuels. Bon, c'est toujours le même principe, hein, le même procédé. Une découpe ovale de 35 sur 20 cm environ, laissait apparaître les os du bassin. Pauvre jument. Il n'y avait pas de lacération, la blessure était nette. Le ventre était intact, pas de morsure ailleurs sur le corps, pas d'écoulement de sang. Donc, net, précis. Sans bavure, hein. Bon bref, pas de traces de piétinement sur le sol, pas d'odeur de décomposition. Les 4 pattes étaient droites, tendues, tendues sur le sol. Hein. On pourrait estimer qu'un tel cas est sans lien avec le phénomène OVNI, ce serait sans doute raisonnable si on ne prenait en considération que ce cas isolé. Mais si on l'élargit de l'examen de la question à de nombreux cas de mutilation difficilement explicables, la réponse devient moins évidente. Déjà. Et puis sans compter les nombreuses apparitions d'OVNI, hein. C'est toujours tout le temps presque ça. Ainsi, des centaines de moutons moururent dans des conditions anormales sur le plateau de Canduère entre 1992 et 93. Fin juillet 1993, un agneau agonisant dut être abattu. Extérieurement, il ne présentait aucune blessure visible. Mais l'autopsie montra que 4 côtes étaient broyées, non pas cassées mais bel et bien broyées, ce qui avait entraîné un grand nombre de perforations internes. Or, un article dans FSR 38.2 évoque la mort de 2 jeunes bœufs à West Kennet dans le Wiltshire en mai 1992. Alors là, c'est de l'autre côté, c'est aux États-Unis. Bon. L'un d'eux fut autopsié par un vétérinaire du ministère. Non, c'est Angleterre. Britannique de l'agriculture. On découvrit ainsi que l'animal avait la cage thoracique broyée, ainsi que d'autres os et organes. Or, à la même époque, des habitants du lieu avaient observé des lumières parfois en mouvement, parfois immobiles, au-dessus des prés. Toujours des apparitions d'OVNI. De l'horrible vague de mutation équine qui s'est déroulée en France et dans d'autres prairies aussi, on pourrait dire, tiens, à partir de la fin de l'été 2020. Donc là, c'est pas si vieux, hein. Il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, hein, bon, il y a presque un an, quoi. On nous a dit qu'elle était partie de l'œuvre de déséquilibrer.
Alors ça, je l'avais lu, c'était dans le premier passage. Il y avait suffisamment de déséquilibré en liberté pour que l'hypothèse soit plausible. Mais est-ce là l'explication unique globale de l'ensemble des cas? Voilà, ça c'est les médias français, voilà comme ça. Voilà à quoi ça se résume. C'est magnifique. Alors ça n'a strictement rien à voir. Hein. Bon. La zone affectée est si vaste, plus de la moitié des départements français, qu'on peut en douter. Des éleveurs surveillant de nuit leurs bêtes ont observé des objets volants blancs émettant des faisceaux lumineux rouges. On nous a dit qu'il s'agissait de drones, bien sûr, comme dans les centrales nucléaires. Des sacrés drones. Mais déjà fin 2014 et début 2015, quand des objets survolaient presque chaque nuit la quasi-totalité des centrales nucléaires françaises, les médias avaient utilisé le mot drone, hein, pour faciliter la chose, pour désigner ces choses. Où sont les preuves? Tant qu'aucun de ces cas n'aurait pu être examiné, ce qui implique probablement de l'abattre. Il n'y aura aucun inconvénient à les qualifier d'objets volants non identifiés. Refuser d'appeler les choses par leur nom n'a jamais résolu le moindre problème ni procuré de sécurité durable. Et je coupe là. Ah, les médias ici, c'est. J'ai pas envie de rendre, mais c'est ça. Enfin, que voulez-vous? Entre ça, puis se faire. Hein. Bon, bref, on a compris. Alors, je coupe là. Bon, soit vous mettez avec moi, c'est bref, direct, on a compris. Voilà, c'est deux, trois trucs de gestes, on a compris. Voilà, troisième partie, très intéressante. C'est pas besoin d'étaler parce qu'après, ça sert à rien. Voilà, avec deux photos que j'ai fait. Voilà, j'essaie de remontrer des petits trucs à la fin, de nouvelles photos ou dans les journaux d'articles, je sais pas. Je vois. En tout cas, troisième partie qui est terminée pour moi. Enfin, en tout cas, dans le problème des cas de mutation de bétail. Et on se verra d'ici 2 ou 3 jours. Elle sera juste un peu plus courte, la troisième. Vous voyez, elle fera peut-être 20 minutes en gros. Je coupe, on va plus loin. A plus, merci. Est toujours très intéressant. Et ce livre-là est une véritable petite bombe. Véritable petite bombe, d'accord? De toute façon, avec la lumière. C'est pas grave, mais en tout cas, c'est un très très bon livre. Ah, c'était 18 avant, ah bon, je pensais que je l'avais payé moins cher que ça, parce que moi il me semble que c'était à 12-13 euros 14. Bon, enfin bref, 18,50 €, peu importe. Qu'est-ce que c'est 18,50 €? Même un film, c'est ce prix-là, hein, Blu-ray, DVD. Donc, ouais. Je coupe là, merci, à bientôt, à plus.